dès la naissance, le lait et les produits laitiers sont les aliments vitaux pour l'alimentation de l'être humain. Parler de l'histoire du lait ne nécessite aucune date. 20 secondes après sa naissance, un bébé peut trouver les mamelons de sa mère juste en suivant son odorat sans que la mère ne réalise ce qu'il se passe. L'être humain doit être attiré par le liquide légèrement jaunâtre qui est produit dans les glandes mammaires des femelles mammifères pour nourrir leur bébé et contient tous les nutriments nécessaires. Comment l'intelligence humaine qui s'est tirée profit de toutes les opportunités pourrait passer à côté d'un tel aliment? On estime que la consommation de lait remonte à 9000 ans avant Jésus-Christ, en Iran, en Afghanistan et en Anatolie, après la domestication des animaux. On estime que les Turcs, les Mongols et d'autres tribus nomades introduisirent des techniques de transformation du lait en Russie et aux pays du Moyen-Orient. Selon Homère, le fromage a été produit pendant les périodes antiques grecques et romaines. Les fromages durs étaient une bonne source de protéines pour les soldats et les voyageurs romains. L'Europe est le premier continent ayant découvert le lait. Par la suite, en 1525, les Espagnols ont introduit dans la ville de Veracruz, située dans le golfe du Mexique, les premiers bovins qui, par la suite, se sont répandus sur tout le continent. Comme dit le proverbe, un homme sort de l'ombre et change le monde. Dans le passé, il était difficile de stocker le lait, en raison de sa composition importante en eau et de son milieu extrêmement favorable aux micro-organismes et ses composants biochimiques. Il a donc été la cause de maladies. En 1862, le microbiologiste français Louis Pasteur développa une méthode de pasteurisation permettant un stockage sain à long terme du lait et donc un volume de consommation plus important. Louis Pasteur, professeur de chimie, était un des plus grands scientifiques de l'époque. Il n'a pas seulement changé 11 000 ans de l'histoire du lait, mais il a aussi permis, grâce à la pasteurisation, un stockage à long terme des autres liquides, tels que le vin, la bière, les jus de fruits et autres. La première bouteille de lait a été utilisée à New York en 1884. En 1895, Pasteur a commercialisé des machines de pasteurisation, ce qui a révolutionné l'industrie du lait dans le monde entier. Avec l'invention de ce procédé, le stockage du lait, sa distribution sur de longues distances et la production de produits laitiers sont dès lors devenus possibles. Aujourd'hui, la production mondiale de lait est de 800 millions de tonnes et le plus grand producteur de lait est l'Union européenne avec 160 millions de tonnes, suivi par les États-Unis avec 92 millions de tonnes et l'Inde avec 65 millions de tonnes. Après la seconde moitié du XXe siècle, le système dans l'industrie du lait a été basé sur l'idée que les pays ont répondu dans un premier temps à leurs propres besoins et ont ensuite vendu le surplus de la production dans les pays voisins. 83% de la production mondiale de lait est obtenue à partir de lait de vache, 13% du buffle et 4% des ovins et caprins. La production mondiale totale de fromage est de 20 millions de tonnes. Bien que divers types de fromage soient produits de manière traditionnelle sur une base locale, 70% du fromage commercialisé sur le marché international est produit en Europe et en Amérique du Nord. La production mondiale de beurre est de 10 millions de tonnes, dont 40% est produit en Inde. La production mondiale de yaourt est de seulement 50 millions de tonnes, produite principalement en Chine, en Iran et en Turquie. Selon une estimation approximative, environ 160 millions de tonnes de lait sont nécessaires pour 20 millions de tonnes de fromage et 90 millions de tonnes de lait pour 10 millions de tonnes de beurre. Donc, environ 40% de la production mondiale est utilisée pour la production de ces trois produits essentiels pour la santé humaine : le fromage, le beurre et le yaourt. Tous les jours, nous découvrons de nouvelles choses. En plus d'être un miracle en soi,
les produits laitiers tels que le yaourt, le beurre, le fromage, le kéfir, la crème glacée, l'érant et le lait en poudre sont des produits consommés avec enthousiasme. Ce liquide miraculeux contient trois éléments de base pour une bonne nutrition, les lipides, les glucides et les protéines. Le lait est également une source de minéraux, de calcium, de phosphore et de magnésium. Un verre de lait, 200 ml, contient environ 130 calories. Lorsque nous buvons un verre de lait, nous avalons 6,8 g de protéines, 9,4 g de lactose, 7 g de matière grasse, 1,5 g de minéraux, dont la plupart sont le potassium et le calcium, et 0,7 g de vitamines A, B2, B12, D, E et K. Transporter le lait des centres de traite jusqu'à l'industrie exige une organisation lourde et planifiée. Environ la moitié des 800 millions de tonnes produites dans le monde est une consommation pasteurisée. La technique de base de la pasteurisation est comme suit. Le lait doit être réchauffé rapidement et suffisamment pour permettre la destruction des microbes, maintenu quelque temps et à nouveau refroidi rapidement sans permettre la formation des microbes. Le lait que l'on trouve sur le marché est maintenu environ 15 secondes à 65 degrés et ramené très rapidement à 4 degrés, qui est la température de commercialisation. La durée de conservation de ce type de lait est comprise entre 3 à 5 jours et doit être conservée dans le réfrigérateur. Le lait de longue durée de vie UHT sera chauffé à 140 degrés, maintenu 4 à 5 secondes, puis refroidi très rapidement. Le lait UHT peut être stocké entre 2 et 6 mois à température ambiante. Cependant, il doit être conservé au réfrigérateur après l'ouverture et le lait doit être consommé dans les 2 jours. Contrairement à la croyance populaire, aucune substance additive n'est utilisée dans les 2 méthodes de conservation du lait. Néanmoins, considérant que les 2 méthodes sont saines et en comparaison avec le lait UHT, le lait frais est plus riche en minéraux de calcium et en vitamines A, B6 et B12. Le fromage, deuxième aliment le plus important produit à base de lait, est l'une des rares denrées alimentaires qui augmente en valeur et en goût pendant le stockage. Les fromages sont généralement stockés entre plus 2 et plus 5 degrés, avec une durée de stockage allant de 2 à 12 mois. Le beurre obtenu à partir du lait peut être stocké pendant 12 mois à moins 25 degrés. La chaîne du froid constitue l'un des volumes commerciaux les plus importants de notre planète, en fournissant des produits laitiers qui voyagent à travers le monde entier. Le lait est un nutriment très important, produit lorsque les mammifères donnent naissance, et il est disponible pour une courte période seulement pour nourrir et faire grandir les bébés. Alors, faisons-le en buvant du lait ou en faisant du fromage, mais ne gaspillons pas.